Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Retenez tout d'abord que le président de la République, chef de l'État Issoufou Mamadou, a quitté Niamey ce samedi 13 juin 2015 à destination de Johannesburg en Afrique du Sud, où il prendra part au 25e sommet de l'Union africaine. Le chef de l'État est accompagné dans ce déplacement de Mamadou Oumoudou, ministre directeur de cabinet du président de la République, Madame Kani Aïchatou Boulama, ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur, Madame Maïkibi Kadiat Tandobi, ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant, Madame Kafare Kiet Jakou, ministre déléguée chargée de l'intégration africaine. À la primature, le chef du gouvernement Birgi Raffini a présidé ce matin une rencontre avec les responsables des sociétés de téléphonie mobile au Niger. Et puis, en prélude à la célébration du cinquantenaire du CGE2 de Niamey, ce dimanche 14 juin 2015, la première dame, Dr Malika Issoufou, a financé des travaux de réhabilitation du collège. Cet établissement, qui vient de revêtir un beau visage, sera baptisé à l'occasion de la célébration de son 50e anniversaire. Le reportage est signé Moussa Yahya. Le CGE2 de Niamey, de très loin l'un des plus prestigieux collèges de la place, a vu le jour en 1965. Pendant un demi-siècle, cet établissement qui se dresse majestueusement en plein cœur de la capitale a su bâtir sa notoriété autour des principes de discipline, de rigueur et d'excellence qui ont été ceux de ses tout premiers enseignants. Pendant un demi-siècle, le CGE2 de Niamey a été le vivier par lequel est passée une grande partie de notre élite nationale. Le souvenir de ces années d'apprentissage demeure toujours vivace. Nous avons fréquenté cet établissement vraiment dans le bonheur. Parce qu'à l'époque, si mes souvenirs sont bons, le système éducatif était tellement bien que rares sont en tout cas ceux qui sont rentrés à cet établissement et qui en sont sortis sans pouvoir avoir débouché. En tout cas, l'établissement était tellement bien tenu. L'année académique était telle que, en fin de compte, on était content d'être élève. D'être élève, mais d'être élève de ce GD. J'avais gardé le souvenir d'un collège qui était bien entretenu. Il y avait partout, effectivement, des fleurs et des plantes. Et ceci s'expliquait par le fait qu'à l'époque, nous on a eu la chance, au départ, à notre entrée en sixième, au départ le premier mois, c'était un Français qui était le directeur du CG2, M. Ferrand. Quelques mois après,
justement le premier Nigérien à occuper effectivement ce poste de directeur de CGD, si mes souvenirs sont bons, c'était M. Ali Yahya. Donc après M. Ali Yahya, il y a eu Kaka Namuwa. Puis enfin nous on a terminé avec M. Garbo Momo. Et nous avons eu la chance d'avoir vraiment de bons directeurs de CGD. Tant du point de vue du suivi pédagogique que de l'entretien du collège. Au moment où nous étions arrivés au collège, il n'y avait que deux collèges à Niamey. Il y avait le CEG 1 et le CEG Centre et le CEG Nouveau Marché. Bon, évidemment, il y avait les autres collèges Mariamba, le lycée de jeunes filles. Donc, c'était des collèges qui étaient très, très bien équipés. En manuel, il y avait une bibliothèque suffisamment fournie. Vous pouvez trouver tous les manuels de la 6e à la 3e et bien au-delà d'autres encore, manuels de lecture et puis bon, de culture et autres. Les laboratoires, on faisait des travaux pratiques dans les laboratoires avec vraiment des équipements assez sophistiqués, si je peux l'appeler aussi, à l'époque. Et les conditions de travail, vraiment les salles, elles étaient bien équipées, elles sont propres. Et vraiment, c'était des classes qui sont bien entretenues. Parce qu'après chaque cours, il y a des manœuvres qui s'occupent de ça et ils ferment les classes. Et surtout, c'est la rigueur, la discipline. Malheureusement, au fil des années, les réformes maladroites ayant privé l'école nigérienne de tout son prestige n'ont pas épargné le CEG 2 de Niamey. Il y a encore quelques mois, c'était la désolation totale. L'école était dans un état de délabrement quasi total. Face à ce constat de déliquescence, le comité d'organisation du cinquantenaire de l'établissement, composé de représentants de l'administration, de professeurs, de parents d'élèves et d'anciens élèves, ne pouvait rester indifférent. Il a opté pour la réhabilitation du CEG2, thème de la célébration du cinquantenaire. Mais surtout, il est allé plus loin en passant à l'acte. Le comité a soumis la question à l'un des anciens élèves du CEG2, qui n'est autre que la première dame, Dr Lalla Malika Youssoufou. Sans hésiter, elle s'empare du dossier et fait de ce thème son propre challenge. La première dame, Dr Lalla Malika Youssoufou, en souvenir des meilleurs moments de sa jeunesse passée au CEG2, décide de prendre à 100% la charge de la réhabilitation de l'école. Des investissements énormes sont consentis et en très peu de temps, l'établissement retrouve des couleurs. Murs rehaussés avec fil barbelé au-dessus, 16 classes entièrement réhabilitées, le laboratoire réhabilité est bientôt équipé, la salle de prof réhabilité est équipée, une salle réhabilitée est retenue comme salle informatique et de lecture, les latrines réhabilitées, le terrain de sport réhabilité est séparé des salles de classe par un grillage et une cafétéria en construction. Mais toutes ces prouesses n'ont pas suffi pour contenter la première dame lors d'une récente visite. Docteur Malika a opté pour la perfection et après toutes ces améliorations auxquelles elle a tenu, le CEG2 est redevenu le fier joyau dont rêvaient tous les anciens élèves. Et sur ce cadre somptueux, ayant déjà reçu un coup de balai à l'occasion d'une opération de salubrité, puis qui a abrité un tournoi de football spécial cinquantenaire qui célèbre ce dimanche matin le demi-siècle au service de la jeunesse et de l'éducation. Une cérémonie à laquelle professeurs, parents d'élèves, anciens élèves et administration du CEG2 convient toute la population de Niamey, cérémonie au cours de laquelle le CEG2 sera baptisé. Voilà, le secrétaire général de la région d'Agadez a présidé hier la cérémonie de répartition des dons de vivres et de non-vivres de la première dame Dr Malika Youssoufou aux 15 communes de la région. D'importants tonnages de vivres et d'aliments pour bétail ont été ainsi repartis en présence notamment des présidents des conseils municipaux bénéficiaires. Le récit de Mohamed Madou et Nassir Nakakali. Les maires des 15 communes de la région d'Agadez entrent en possession des aides humanitaires que la Fondation Tata Liyari vient de mettre à la disposition de leurs populations respectives. En don de la première dame Dr Lalla Malika Youssoufou, évalué à 400 millions de francs CFA. Il est composé entre autres de vivres, d'aliments bétail, de motopompes, de moustiquaires, de matelas et de draps. Leur répartition a donné lieu à une cérémonie officielle voulue transparente par les autorités administratives régionales.
le secrétaire général du gouvernorat, M. Adamou Halidou, s'est fait le devoir d'annoncer de vive voix les tonnages qui reviennent à chaque municipalité. Ces dernières reçoivent chacune 10 tonnes de mil, 2 moulins à grains, 10 motopompes, 300 moustiquaires auxquels s'ajoutent 40 tonnes d'aliments bétail sans tourteaux à répartir. Quatre communes, à savoir Timia, Ingal, Bilma et Agadez, bénéficient d'un appui complémentaire composé de 15 cartons d'habits de froid par entité. S'agissant des 300 matelas et des 300 draps envoyés, il a été décidé de les affecter dans leur intégralité au centre de santé intégré de Bilma. Le secrétaire général de la région a préconisé l'enlèvement immédiat de ces produits exposés aux intempéries au seuil d'installation de la saison des pluies. Des instructions fermes ont été données aux différents maires pour faire parvenir dans les meilleurs délais ces dons aux vrais bénéficiaires. Signalons que cette cérémonie s'est déroulée en présence du SGA de la région Abdourahman Moussa, des maires des communes et du représentant de la fondation Tetali Ali, M. Moulay Bachir Lamine. Les parlementaires membres de la commission économique et du plan sont depuis jeudi dernier à Tawa où ils ont visité les installations techniques du centre de radiodiffusion et télévision du Niger ORTN avant de se rendre au niveau du centre des télécommunications de la Sonitel. Compte rendu Sandana Tahi et Mahamadou Aboum. Il est bon de voter les textes de loi, mais il est aussi bon de s'assurer de l'effectivité de leur mise en application. C'est justement pour s'enquérir de la mise en application des textes votés par l'Assemblée nationale sur l'installation de la fibre optique que cette mission des parlementaires est venue à Tawa, où elle a visité les centres CETV et Sonitel. À Tawa, la fibre optique qui est le support de la communication en bande passante et de transport des signaux de la télévision numérique terrestre en projet au Niger est bel et bien disponible. Cependant, l'on a relevé quelques problèmes liés à la baisse de tension électrique, aux coupures intempestives et aux parasites sur la liaison Internet. C'est le moins ce qu'il faut relever de ces visites et échanges avec les techniciens. C'est devenu une réalité. La fibre optique aujourd'hui se trouve aussi bien de Niamey jusqu'à Zender, de Niamey à Tawa, via la fibre optique. Par contre, la TNT, les appareils sont installés au niveau de Zender et Maradi, mais à Tawa, ici que nous sommes, nous avons trouvé que les appareils ne sont pas venus. Et cela nous permet, dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale par le Parlement, de voir avec le ministre pourquoi Tawa, l'équipement de Tawa n'est pas encore sur place. À Tawa, qu'il y a des perturbations. Les perturbations sont non seulement au niveau de la fibre optique, c'est-à-dire qui transporte l'Internet. Cela a été senti, ça a été relevé. Nous avons demandé au ministre de mener des investigations pour savoir pourquoi Tawa, c'est seulement Tawa qui a ces difficultés. Cela suppose alors des gros efforts à fournir dans le cadre de la formation des agents en exploitation et maintenance des équipements de façon à répondre aux besoins des usagers de plus en plus exigeants et pour qui, si l'Internet marche, tout marche. Et puis nous recevons sur ce plateau Dr Sani Aliou, il est le directeur général de l'Office national des produits pharmaceutiques du Niger, ONPPC. Avec lui, nous allons donc parler de l'organisation de la journée porte ouverte prévue le lundi 15 juin 2015. Bonsoir Monsieur le DG. Bonsoir, madame. Nous allons donc revenir vers vous, le temps de signaler que la journée internationale du yoga est prévue le 21 juin prochain. L'ambassadeur de l'Inde au Niger a présenté à l'une de nos équipes quelques photos de yoga et quelques exercices à pratiquer pour la bonne santé du corps et l'esprit d'une personne. D'autres précisions avec Mamadou Jingaré et Youssouf Samaïla. Le yoga est l'une des 6 écoles de philosophie indienne astika. Il est devenu particulièrement en Occident une discipline visant par la méditation et les exercices corporels à réaliser l'unification de l'être humain dans ses aspects physiques, psychiques et spirituels. En septembre 2014, en s'adressant à la 69e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, le Premier ministre de l'Inde, Narendra Modi, a exhorté la communauté internationale à adopter une journée internationale du yoga.
une proposition approuvée par les 193 membres de l'Assemblée générale des Nations Unies par consensus, journée internationale de yoga, célébrée le 21 juin de chaque année. À cet effet, l'ambassade de l'Inde organisera un cours de yoga ce 21 juin suivi d'une démonstration. Pour marquer cette journée internationale de yoga et de garder l'ancienne sagesse vivante au profit de l'humanité. Le yoga est un cadeau inestimable de l'Inde ancienne au monde. Le yoga, c'est l'union du corps, de l'esprit et de l'âme. C'est une science basée sur les lois de la nature. Le yoga procure une approche saine à la santé et le bien-être. Le yoga apporte l'harmonie dans tous les milieux de vie et donc est connu pour la prévention des maladies, la promotion de la santé et de la gestion de nombreux troubles liés au mode de vie. Le yoga est universel dans son application, conduisant tout autour le développement. Il y a des milliers d'années, les grands sages de l'Inde ont développé cette science unique et l'art et de la santé saine. Elle développe un sens de l'unité avec nous-mêmes et le monde autour de nous, créant ainsi la paix, l'amour et l'harmonie qui sont les plus grands besoins d'aujourd'hui. Alors pour célébrer cette journée internationale du yoga, l'ambassade de l'Inde invite à son siège les membres des communautés indiennes, de la communauté étrangère et des Nigériens à la séance prévue. Du sport à la santé, le ministre de la Santé publique, Manoa Galli, en mission de travail dans la région de Tawa, a effectué une série de visites au niveau des formations sanitaires et présidé des réunions de plaidoyer sur la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. Compte rendu, Fatih Bamou et Issoufou Ralou. L'arrivée au monde d'un nouveau-né est un événement iré pour sa famille, sa communauté et son pays. De ces faits, il est inadmissible qu'une femme perde la vie en donnant la vie. C'est sous ces doubles signes que le ministre de la Santé publique, Manoa Galli, a entamé hier dans la région d'Etawa cette mission avec à son agenda des visites et présentations des activités de formation sanitaire et des rencontres de plaidoyer avec les populations. S'agissant des visites, le ministre Manoa Galli a relevé que les différentes formations sanitaires, la case de santé de Ixman, les CSI urbains d'Abalak, les CSI de Kao, la case de santé de Idouk, les CSI urbains de Sintabaraden, les CSI de Taza, la case de santé de Nassam souffrent des mêmes problèmes. Insuffisance des moyens humains, matériels et roulants. Cependant, le ministre a salué, félicité et encouragé les responsables et agents de santé pour leur prestation de qualité, nonobstant la modestie des moyens qui sont à leur disposition. C'est le cas, a-t-il dit, de la réduction de la mortalité maternelle et néonatale, thème central de cette mission. Les chiffres avancés par les différentes formations sanitaires visitées ont fait état des réductions drastiques des cas de mortalité chez les femmes enceintes et les nouveau-nés. Si les cas de mortalité connaissent des réductions sensibles, il n'en demeure pas moins que beaucoup reste encore à faire dans certaines localités à raison de certains facteurs tels que la pauvreté, l'éloignement des centres de santé, manque de moyens appropriés de transport, l'ignorance, sous-utilisation des services de santé. Le ministre de la Santé publique, Manoa Galli, a par ailleurs insisté sur la nécessité pour les agents de santé de renforcer leur collaboration avec les autorités de leur localité d'intervention et de rechercher les causes des décès des mères chaque fois qu'on enregistre des cas. Au niveau de toutes les étapes, les échanges entre les ministres, les cadres centraux, régionaux, départementaux et les populations ont tourné autour des causes des décès maternels et néonatales et les activités préventives qui sont les consultations prénatales recentrées, la planification familiale, l'accouchement assisté, la scolarisation des jeunes filles et l'allaitement maternel exclusif. Autre mesure préventive, c'est le lot des 32 ambulances offert aux formations sanitaires de la région d'Etawa par le programme de la Renaissance, a déclaré le ministre Manoa Galli. Un autre lot viendra renforcer les capacités des services de santé, a-t-il confié, toutes choses qui concourent à la réduction significative des taux de mortalité maternelle et néonatale, voire les réalisations des objectifs de la campagne africaine Karma. La ville d'Ottawa a constitué la dernière étape de la mission de sensibilisation et de plaidoyer sur la réduction de la mortalité maternelle et néonatale du ministre de la Santé publique. Au terme de cette mission, le ministre Manoa Galli a présidé une réunion de synthèse. Retrouvons Fatih Bomo et Issoufou Ralou pour le récit.
Dans la ville d'Etawa, la visite du ministre de la Santé, Manu Agali, a concerné les districts sanitaires, les centres de santé pour mères et enfants, la direction régionale de la santé publique. Lors de cette visite, il a été question du remboursement des frais de la gratuité des soins aux mères et aux enfants au district sanitaire et de l'état des bâtiments, du problème de fonctionnement des équipements techniques table radio au niveau du centre de santé mères et enfants. En se rendant à la direction de la santé publique, le ministre Manu Agali s'est enquis du stock impressionnant des médicaments contre la méningite. Des réactifs et vaccins sont également en quantité suffisante stockés dans la chambre froide. Au niveau des garages, par contre, il a instruit les responsables de la santé de mettre tout en œuvre pour remettre en état de marche les nombres importants de véhicules actuellement en panne et ou circale. Le ministre Manu Agali s'est dit globalement satisfait des constats faits lors de cette mission en présidant la réunion de synthèse qui a regroupé les cadres centraux, régionaux, départementaux, communaux et les représentants des partenaires techniques et financiers. Tout au long de cette caravane, j'ai insisté particulièrement sur les points suivants. Le renforcement de la collaboration et de la communication entre les prestataires et la communauté d'une part, les prestataires et les autorités administratives et coutumières d'autre part. La notification obligatoire de tous les cas de décès survenus au niveau des structures sanitaires. L'audit et la revue de tous les décès suivis d'actions en faveur, en vue d'améliorer la prise en charge des futurs cas. À l'issue de cette mission, j'instruis premièrement les responsables sanitaires à renforcer l'intégration des activités pour une meilleure efficacité et efficience de nos actions. Tous les prestataires pour la notification obligatoire de tous les décès survenus au niveau des structures sanitaires. Rendre fonctionnelles toutes les cases de santé. Estimer les besoins réels et pertinents en collaboration avec l'ensemble des acteurs à ressources humaines, ambulance et matériel. Aussi, le ministre de la Santé est sorti satisfait des efforts des agents dont Halimatou Boubacar Yacouba, sage-femme contractuelle, et Madame Arzika Zalifa Issa, infirmière, toutes deux en service à Tintabraden, qui se sont distinguées pour leur esprit d'équipe. Le ministre leur a décerné des témoignages officiels de satisfaction. Pour sa part, le ministre de la Culture, des Arts et Loisirs, Ousmane Abdou, a procédé officiellement ce samedi à l'installation du comité d'organisation de la première édition du forum de la CEDEAO sur l'éducation à la culture de la paix à travers le dialogue intra- et interreligieux qui compte 24 membres. C'était en présence de plusieurs membres du gouvernement. On fait le point avec Gérard Abdelaziz et Salif Garba. C'est par la présentation faite par le secrétaire général du ministère de la Culture, des Arts et Loisirs, Maï Moustapha Fernand, du comité d'organisation de la première édition du forum de la CEDEAO sur l'éducation à la culture de la paix à travers le dialogue intra- et interreligieux que cette cérémonie de son installation officielle a débuté. Ce comité est présidé par le ministre de la Culture, des Arts et des Loisirs. Il est composé de 24 membres issus, entre autres, de 5 ministères, du Conseil national de la jeunesse, de l'Association islamique du Niger, de l'Église catholique, de l'Alliance des missions et églises évangéliques du Niger, Amen, ou encore de l'Association des chefs traditionnels. C'est le contexte socioculturel de la sous-région caractérisé par l'émergence de groupes terroristes qui a amené la CEDEAO, dans le cadre de la célébration de son 40e anniversaire, à initier la tenue de ce forum sur le dialogue intra- et interreligieux. L'objectif du forum est avant tout de rassembler les groupes religieux sans discrimination aucune en vue de communiquer et d'échanger sur les questions liées à la paix et à la stabilité dans notre espace communautaire. Comme vous le savez, les religions assurent la fonction d'organisation et de communion au sein des communautés. À ce titre, elles constituent assurément un des socles qui sous-tend la construction de la paix et de la cohésion sociale. Notre pays, le Niger, sous la conduite éclairée de son Excellence El Hadj Mohamed Issoufou, président de la République, chef d'État, a eu l'honneur et le privilège d'être choisi pour abriter la première édition du Forum sur l'éducation à la culture de la paix à travers le dialogue inter- et intra-religieux. C'est dire, chers membres du comité, que le challenge est immense et la tâche qui vous attend ardue.
Mesdames et messieurs, permettez-moi de revenir ici sur cette vision de l'UNESCO. Puisque les guerres se conçoivent dans les esprits des hommes, c'est dans les esprits des hommes que doivent se construire les défenses de la paix. Dans le sillage de cette acception, l'éminent écrivain Carlos Fuente nous rappelle opportunément, et je cite, « Nous sommes venus au monde pour mieux nous connaître. La terre nous est donnée que pour un temps. Vivons en paix, vivons ensemble. » Fin de citation. Aussi, sachant qu'aucune religion ne fait l'apologie de la violence et qu'elle converge toute vers le bien-être et le salut, ce forum constituera par excellence une plateforme d'échange entre fidèles de différentes confessions. Pour le ministre Ousmane Abdou, le choix du Niger pour abriter ce premier forum n'est point fortuit. Notre tradition de tolérance, soutenue par nos pratiques culturelles, dont la parenté à plaisanterie et l'hospitalité légendaire qui caractérise les populations nigériennes, sont reconnues par tous. Au vu des compétences qui composent le comité, je ne doute point un seul instant qu'il accomplira sa mission avec application. C'est sur cette note d'espoir que le ministre de la Culture, des Arts et des Loisirs, Ousmane Abdou, qui entend réussir l'événement, a officiellement installé le comité d'organisation de la première édition du Forum de la CEDEAO sur l'éducation à la culture de la paix à travers le dialogue intra- et interreligieux.